Salut, bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. À 30 ans, Annie Sakel, devenue la femme de Jean-Luc Delarue, la grande figure du PAF décédée le 23 août 2012 à 48 ans, s'était retrouvée veuve et au centre d'une polémique acharnée. C'était en 2012, l'un des principaux griefs qui lui était fait. Sa place dans l'héritage de l'animateur, un patrimoine conséquent estimé à 22 millions d'euros, avec notamment un appartement parisien rue Bonaparte, revendu aujourd'hui, une maison et une grande partie des parts de la société de production Réservoir Prod. Son avocat maître Francis Spinner avait alors expliqué que Jean-Luc Delarue avait choisi de laisser une partie, la moitié de sa fortune à son épouse, une partie à son fils John, aujourd'hui âgé de 15 ans. On avait soupçonné également la jeune femme d'avoir converti son mari à la religion musulmane, qu'elle avait fini par démentir fermement dans la seule interview qu'elle a donnée à ce jour, en octobre 2012 à Paris Match. Jean-Luc Delarue ne s'est pas converti à l'islam. Elle était de confession catholique et baptisée. Lâchit-elle, ajoutant, « Nous n'y sommes pas pratiquants et nous n'en parlions jamais à lire la presse. » Je l'aurais converti à l'islam après sa mort, sous-entendu sans son accord, et fait inhumer dans un carré musulman sans avertir sa famille. Tout cela est un tissu de mensonges. Annie Sakel et l'animateur Jean-Luc Delarue s'étaient d'abord croisés en 2008, lors d'une exposition Louis Bourgeois à Beaubourg, tous deux passionnés d'art, mais géographiquement éloignés, et ne se sont véritablement retrouvés qu'en janvier 2011. Baptisé l'atelier Belle Lille, la société a été fermée 4 ans plus tard, en 2016. Jusqu'au bout, Anissa est restée aux côtés de Jean-Luc Delarue, jusqu'à installer un lit dans la chambre d'hôpital où elle est décédée, un 23 août par la suite. Malmenée médiatiquement, Anissa la discrète s'est murée dans le silence. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sous la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci, à très bientôt.